Parce qu'on veut grandir dans notre vie de prière, une des choses que je suis en train d'apprendre, c'est à ralentir, à prendre le temps pour prier. Et un des livres qui m'aide beaucoup à grandir de manière très pratique, très concrète dans ma vie de prière depuis bientôt un an, j'en ai déjà parlé, c'est le livre de Dick Eastman, The Hour That Changes the World, l'heure qui change le monde. Il est disponible en français aussi. Et un des aspects de la prière que je ne connaissais pas vraiment, qui m'a appris à découvrir, il appelle ça « observer »,« watching ». Et il s'inspire de différents passages dans les Écritures pour parler de cet aspect-là de la prière. Puis un des passages, c'est Ézéchiel 33, lorsque le prophète est présenté comme une sentinelle qui est placée sur le peuple d'Israël et qui doit écouter la parole de Dieu, puis qui doit ensuite avertir le peuple. Puis il y a vraiment cette idée qu'il est placé là pour observer. Ça ne parle pas directement de prière à ce moment-là, ça parle plus d'écouter la parole, d'observer, puis d'aller avertir, mais c'est un des volets qui vient enrichir notre vie de prière. Lorsqu'on veut intercéder pour les gens, prier pour les gens dans notre famille, prier pour des gens autour de nous, lorsqu'on va vite dans la prière, on y va simplement avec les requêtes que nous, on a sur notre cœur, puis des fois, c'est des requêtes qui parlent plus de nos craintes, de nos peurs. C'est comme s'il n'y a pas un moment où je m'arrête pour observer la personne, tu sais, juste dans mon esprit, penser à cette personne-là, regarder comment elle va dans sa vie, prendre le temps de l'aimer dans mon cœur, puis ensuite aller dans la prière pour elle. Et il y a des requêtes différentes qui vont monter si vous apprenez à faire ça. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut que je m'arrête, il faut que je prenne le temps. C'est ça. D'observer les gens que j'ai à cœur, puis... juste d'être attentif, prendre le temps de les aimer, puis ensuite de ça, il va y avoir des requêtes différentes qui vont venir. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ça demande du temps. Grandir dans la vie de prière demande du temps. Devenir quelqu'un qui prie beaucoup demande beaucoup de temps. Grandir demande juste un petit peu plus de temps. Mais on y reviendra dans une autre capsule.